Alors qu'elle a frôlé l'élimination, Sarika sort et finalement sauvée par Philippe Etchebest à la fin du troisième épisode de Top Chef. Pour autant, la représentante des Bleus s'est montrée déçue de ce résultat. Une réaction étonnante qui n'a pas laissé de marbre les internautes. La brigade bleue s'est encore fait des frayeurs ce mercredi 15 mars dans Top Chef 2023. Après l'élimination surprise de Dani Ketsar la semaine dernière, CIST autour de Carla Ferrari et Sarika sort d'apercevoir la porte de sortie du concours culinaire. Oh les filles, vous m'avez fait quoi, là? Leur lance Philippe Etchebest alors qu'il reste une seule place qualificative à l'issue de l'épreuve éliminatoire. Finalement, le dernier round se joue entre Gaston Savina, sans brigade à l'issue du premier épisode, et Sarika sort. Un verdict qui agace la gagnante d'Objectif Top Chef, qui ne le cache pas. Sarika déçue et énervée de son entrée dans Top Chef 2023 CIST donc à Philippe Etchebest de départager les deux candidats après une dégustation à l'aveugle. Si le chef étoilé est satisfait de l'assiette présentée par Gaston, il fait également de très beaux éloges à celle de sa protégée. CIST ce que j'aime, lâche-t-il ainsi à la fin. CIST donc sans grande surprise qu'il décide de qualifier l'assiette B, celle de Sarika, au détriment de Gaston, éliminé du concours. Pourtant, à l'annonce de la sentence de Philippe Etchebest, Sarika affiche une mine déconfite, à l'opposé de la réaction euphorique d'Alban la semaine dernière. Alors que Stéphane Rothenberg lui fait remarquer son manque d'enthousiasme, elle répond, « Je suis au bout de ma vie, je suis déçu, je suis énervé. Enfin, j'ai tout donné pendant pas mal de semaines pour atteindre un certain niveau. J'arrive sur une première épreuve de Top Chef dans les vraies cuisines de Top Chef et je me cague dessus. » Les mots réconfortants de Philippe Etchebest envers Sarika sort une réaction tranchée qui étonne beaucoup Philippe Etchebest. Où les trois autres étaient d'un niveau exceptionnel, mais moi, ton poulpe, je l'ai trouvé super bon, rappelle-t-il à la jeune femme de 28 ans. Tu n'as pas à rougir des assiettes que tu as sorties. D'accord? En tout cas, moi, je te dis bravo Sarika, martèle-t-il. Ça va. Si est-il bien ce que tu as fait. Si est-il cool, ajoute-t-il, alors qu'elle le rejoint pour la suite du concours. Une séquence étonnante qui a fait réagir plusieurs internautes. Hashtag Top Chef nommé Sarika a-t-elle compris le principe de l'émission et la conscience qu'elle ira peut-être pas jusqu'au bout. Et en plus elle se permet de ne pas être contente d'avoir été sauvée mais quelle audace. Et surtout quelle impolitesse face à elle autre candidat éliminé, Doudou 2909@Elodie2909, March 15, 2023 Exatone la Etchebest qualifie in extremis sa candidate qui reste supra perplexe. Moi je propose donc que Sarika cède sa place à Gaston. Hashtag Top Chef, Elodie miamiam@lesmiamiamblog, March 15, 2023 J'ai pas suivi Objectif Top Chef. Elle est toujours comme ça Sarika? J'aurais vraiment mal pris sa réaction à la place de Gaston. Hashtag Top Chef, rp@jayarwatchen, March 15, 2023 Hashtag Top Chef allez dehors Sarika. Elle m'énerve déjà depuis Objectif Top Chef. Karine Brezieich 1973@KarineBrezieich, March 15, 2023 C'était quoi ce regard quand Sarika annonce qu'elle n'est pas fière d'elle malgré sa qualification? Mort de rire Hashtag Top Chef, Princesse Kaguya 06.
13@kaguya06-13, March 15, 2023 Hashtag Top Chef Sarika qui craque dès le départ. Je n'étais sûre, jamais compris pourquoi elle a gagné Objectif Top Chef, elle n'a pas de self-control, jcb@jcb385416668, March 15, 2023 Sarika c'était nul mais comme Gaston a fait plus nul bah du coup tu es moins nul que le nul tu vois le délire ou pas Hashtag Top Chef. Isma, Liban, France, @isma-9547, March 15, 2023 Elle va pas faire long feu Sarika. Hashtag Top Chef, Samorsi @samersi1, March 15, 2023 Sarika, elle est sans filtre Hashtag Top Chef, -JFR06, Italie, @JFRU06, March 15, 2023 à lire aussi je suis dans la mer totale, Sarika, Top Chef 2023, enchaîne les gros mots et perd son sang-froid en pleine épreuve.